retrouve avec grand grand plaisir aujourd'hui pour continuer avec vous le tutoriel de l'album Princesse. Donc voici la seconde partie où nous décorerons la couverture ensemble. Vous la voyez apparaître ici avec les jolis coins dorés, la belle dentelle et puis cette magnifique découpe or. Le titre bien sûr hein, de notre album. La tranche se présente comme ceci avec les touches de piano. Je trouve ça très 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 sympa. C'était le papier idéal pour cette tranche. L'autre côté, eh bien, le voici avec le titre aussi, la jolie déco et le pompon. Tout en doré également. Et l'arrière, plus simple. Nous aurons quelque chose à ajouter ici sur la fin. Mais pour la déco de la couverture, elle n'est pas terminée. J'y reviendrai vraiment tout à la fin quand nous aurons presque fini l'album. Parce que je ne voudrais pas abîmer les fleurs. Vous voyez, j'ai déjà commencé à préparer des petites roses dans les tons qui rappellent le papier. Donc si vous voulez vous avancer, vous pouvez vous aussi en préparer. Je les ai réalisées avec le kit Classic Rose de chez Airfell Creation. Et je vous remets le tutoriel des roses en barre de cette vidéo. Il y aura aussi sur la couverture un éventail et les plumes. Mais ça fera partie de l'arrangement avec les fleurs. Donc pour l'instant, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Je vous avais montré les kits, donc soit doré, soit bronze, pour réaliser cette couverture. Il y a tout ce qu'il faut dans le kit. Je vous ai fait la vidéo pour vous le présenter plus en détail. Donc, vous l'avez vu et ils sont d'ores et déjà dans ma boutique. Je vous laisse avec le tutoriel. Et si vous êtes prête, eh bien, hop, 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 c'est parti, à vos outils. C'est parti, et déjà pour commencer, nous allons enlever le système de fermeture pour pouvoir recouvrir. Nous le remettrons après, donc que vous l'ayez choisi bronze ou doré, on l'enlève. Et puis, je vais commencer par couper le papier dont je vais avoir besoin sur le dessus de l'album. Et ça va être ce papier que vous allez trouver dans le bloc 30-30. Je vais prendre un morceau ici de ce côté parce que sur l'arrière, j'ai la très jolie frise ici et je veux la garder. Donc, je vais couper ici sur ce côté-ci. Vous allez d'abord vérifier parce que comme on a recouvert, on a un petit peu plus de 21 maintenant. Moi, j'ai 21,4 ici en largeur et en hauteur, j'ai 21,2. Donc, vous enlevez 2 mm. Ici, je vais prendre 21,3 et ici, 21 sur la hauteur. Donc, déjà, je vais tourner mon papier comme ceci. La frise est ici et je vais venir couper ici la hauteur dont j'ai besoin, donc à 21. Et vous voyez, sur l'arrière, je garde la jolie frise. Je la mets bien sûr de côté. Vous vérifiez que c'est bon. C'est mon cas. Il me reste juste un fin petit bord de 1 mm. Et puis, ici, vous enlevez 2 mm aussi. Donc, moi, je vais couper à 21,3. Nous avons déjà notre morceau pour le dessus. Et puis, nous allons préparer les deux morceaux ici de la tranche de fermeture. Vérifiez bien avant que votre album est dans le bon sens. C'est le plus petit des côtés qui est ici et le plus gros, le plus large de ce côté. Je vais mesurer également pour être sûr. Donc j'ai la même hauteur. Et ici, moi, j'ai 3,8. Donc, je vais déjà enlever la bande avec les touches de piano et je vais vraiment couper à ras ici. Donc déjà, je récupère cette bande. Et puis, une fois que j'ai ma bande, eh bien, je vais tourner dans ce sens. Et puis, je vais venir prendre donc 21. J'enlève 2 mm. Hein, et j'ai
ma hauteur. Par contre, nous allons devoir ajuster dans la largeur. Et donc, je ne sais plus combien j'ai dit. Ok, 3,6. Donc, je retourne et j'ajuste à ma largeur, donc 3,6. Et j'enlève. J'ai préparé mon encre Distress. Et avec un tampon encreur, nous allons vieillir les papiers. C'est la couleur vintage photo, donc j'ai pris mon tampon encreur et tout simplement donc vous allez venir vieillir les papiers sur les bords. Donc vous faites tout le tour et vous gardez votre encre et votre tampon à portée de main parce que nous allons le faire sur presque tous nos morceaux. Donc je termine tout ça et nous allons venir couper le second morceau pour le deuxième côté et je vais prendre toujours dans le même papier que les touches de piano, mais je vais le retourner, je vais venir prendre un morceau ici sur ce côté. Et vous allez ici venir prendre une bande de, alors 7,6 pour moi, mais vous vérifiez hein. En fait, moi, j'ai 7,8 maintenant, donc j'enlève 2 mm, 7,6, et vous ajustez votre bande à 21. Notre hauteur, je vieillis les papiers également, et nous allons pouvoir commencer à les poser. J'ai collé mes morceaux, donc vous voyez, il reste 1 mm partout, une fine bordure, et je vais vous montrer pour, nous allons coller l'arrière ensemble, comme ça vous allez voir comment coller sans qu'il y ait de bulles et en étant sûr d'être bien droit, c'est important. Et pour cela, j'utilise l'adhésif et j'en mets partout. Vous allez le voir dans un instant et nous allons d'abord venir couper notre morceau pour l'arrière et ça va être dans cette feuille de papier-ci. Alors, je vais vérifier toujours avant de couper mes mesures. Donc normalement j'ai bien mes 21,2 en hauteur, donc ça va être 21, on enlève 2 mm en largeur, pareil je vais avoir 21,3. donc dans ce papier vous allez venir couper ici à 21,3 et puis une fois que vous avez votre largeur, alors 21,3 j'ai dit, hop, on coupe et ensuite je tourne et je prends mon morceau de 21. Nous allons le vieillir à nouveau et le poser ensemble. Vous vérifiez avant que vous avez bien 1 mm tout autour. Je termine de vieillir mon papier avec vous. Il me reste un petit peu ici et ici, par ici, je n'ai pas terminé. Donc pensez-y bien à chaque fois. Voilà, et donc quand votre papier est prêt, l'adhésif est de sortie, je vais, alors sur tous les morceaux, hein, c'est ce que j'ai fait aussi ici sur les deux petits, et surtout sur le grand, c'est important. Alors, on retourne, je vais prendre mon adhésif d'un demi inch, c'est 1,25 cm, et je fais d'abord un tour, un cadre, en allant bien dans les coins. Vous arrêtez bien au bord pour être sûr que tout va être collé. Et une fois que le cadre est fait, eh bien, je vais, alors si ça dépasse un petit peu, si vous avez dépassé, surtout enlevez-le. Alors c'est parce que j'ai quelque chose qui s'est mis en dessous. Enlevez-le avec les ciseaux parce que sinon ça ne va vraiment pas être joli. Voilà, on peut continuer. Donc je termine mon cadre et je vais remplir avec
de l'adhésif également, mais j'ai sorti mon gros rouleau, celui que j'avais utilisé pour la couverture, pour aller plus vite. Alors bien sûr, si vous n'avez que du 1/2 inch, eh bien il faut continuer avec, mais ça prend du temps. Donc moi, j'ai mon gros rouleau, je m'en sers peu, uniquement pour recouvrir les pièces de reliure et de couverture pour aller plus vite. Je vais remettre deux bandes et ensuite je finirai avec mon 1/2 inch. Vous voyez, c'est quand même bien pratique. Je suis partie un petit peu de travers. C'est quand même bien pratique et ça va plus vite. Je termine de remplir avec celui-ci et nous posons ensemble ce morceau. Et il faudra faire la même chose avec les trois autres. Vous voyez, j'en ai bien mis partout. Alors évidemment, vous marquez bien l'adhésif avant d'enlever la pellicule du dessus. Et puis pour coller et être droit, je vais me positionner donc comme ça. Alors j'ai les petites bandes par ici. Vous vérifiez que votre papier est dans le bon sens, hein, surtout. Et je vais enlever juste la bande du début. Et juste un petit morceau là ici sur le haut que je fais ressortir. Alors pourquoi? Pour pouvoir encore décoller si jamais je ne suis pas bien droite. Donc je me positionne là où je dois être. Surtout, prenez votre temps. Et quand vous êtes sûr que c'est bon, je préfère faire comme ça. Au moins, je suis sûre de ne pas rater. Voilà. Je peux poser ici. J'appuie un petit peu sur la bande où j'ai retiré l'adhésif. Je vérifie. C'est tout bon. Je peux lever. Et là, petit à petit, vous allez enlever vos bandes et poser votre papier comme ceci, tout doucement. Donc j'enlève vraiment vraiment petit à petit et je vais étaler mon papier et je serai parfaitement droite. Donc vous pouvez faire la même chose avec les quatre morceaux. J'ai posé toute la reliure à plat et je vais bien marquer bien bien partout pour bien poser le papier. Et puis, j'ai sorti les coins. Donc, que ce soit en doré ou en bronze, nous allons les poser ensemble. Sur ce côté, ils vont se positionner ici. Donc, tout simplement, je vais les coller avec ma colle Hard Glitter. Donc, deux comme ceci sur ce côté. Et les deux autres vont venir se positionner ici, comme ceci. J'ai étalé ma reliure à plat et nous allons bien marquer partout le papier pour qu'il adhère bien bien partout. Et nous allons pouvoir poser les coins. Donc vous voyez, vraiment c'est parfait, je n'ai aucune bulle, c'est nickel. Donc les coins, alors moi je vais les mettre dorés, si c'est les bronzes, va pour les bronzes. Et nous allons les poser comme ceci. Donc il y en a deux qui vont venir par ici, se positionner par ici, et je vais les coller avec la colle Art Glitter. Elle colle super fort, c'est génial. Donc vous mettez de la colle un petit peu partout sur l'arrière de vos coins et vous venez les poser à ras du papier décor comme ceci. Donc je vais poser celui du bas également et les deux autres vont venir ici.
Je refais la même chose et je pose. On attend un petit peu que ça sèche pour être sûr que ça prenne bien. Avant de retoucher à l'album, je colle les deux coins du bas et nous allons réinstaller le système de fermeture. Nous allons reprendre, donc ouvrir. Et ici, je vois où j'ai percé. Je vais reprendre un outil pointu et percer dans ce sens pour avoir le trou apparent. Ici, je fais la même chose de l'autre côté. On reperce, on passe à travers. Et c'est bon, nous allons pouvoir remettre tout en place. Alors, je vais déjà poser celui-là. Je reprends mes petits brats. Et on en passe déjà un dedans. Allez, allez. Oui. Ensuite, je vais mettre vraiment pas mal de colle. Alors, il y a un rebord, donc vous mettez sur le rebord la colle. Parce que sinon, ça ne va pas tenir. Elle sèche claire, donc si ça déborde, aucune importance. Maintenant que ma colle est posée, eh bien, je viens remettre le bras. Je peux alors vous enlever hein, si ça déborde vraiment de trop. Je peux mettre le second et je vais bien aplatir ici. Donc hop, je raplatis mes deux bords et je vais mettre un morceau d'adhésif pour sécuriser et que ça ne bouge plus. Mais avant, avec ça, je vais appuyer bien fort dessus pour bien les serrer. Et puis, je prends un morceau d'adhésif et je viens poser au-dessus pour sécuriser le tout. Voilà. Ça bouge encore un peu, mais il faut attendre que ça sèche bien. Et puis, je referme et je vais pouvoir, de la même manière, poser l'autre. Alors, je vais lever le loquet, je vais le tourner et je vais quand même vérifier avant. C'est tout bon, donc j'enlève, je vais... Alors, je peux laisser ceci partir. Je vais repositionner, comme je l'ai fait, ma colle. Alors, bien sur le bord. Hein. Comme ceci. Vous venez le placer. Et ça ne va pas sécher tout de suite, tout de suite. Oups, donc ça va pouvoir encore bouger un petit peu. Et je remets mes... deux brats, je referme et je sécurise avec l'adhésif. On laisse bien sécher. Une fois que c'est bien collé, vous voyez, ça ne va plus bouger. Vous pouvez faire aller venir votre système. Il est au bon endroit parce que les trous étaient parfaitement au bon endroit. Donc, vous voyez, pas de souci. C'est très joli cette tranche avec le clavier. De piano. Donc maintenant je vais pouvoir venir poser la dentelle. Donc il y a ces deux morceaux. Je vais d'abord poser celui-ci et je commence ici par le début d'un demi-rond, vous voyez ici, et je vais tirer, bien attendre pour finir par un demi-rond aussi. Donc pour poser ma dentelle, eh bien, déjà, je vais mettre un trait de colle, un ou deux traits de colle sur tout le long de ma tranche. Ça va sécher clair, hein, donc aucun problème. Et je peux venir poser ma dentelle. Donc, comme je vous ai dit, on démarre par un demi-rond.
Et là, je m'aligne bien sur le bord et je la tire pour que ça termine par un demi-rond aussi. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. 2-3 minutes peut-être. Je vais attendre et ensuite on pourra coller le reste de la dentelle. Une fois que le côté ici est bien collé, je vais prendre de bons ciseaux et bien couper à ras, bien droit. Donc sur le haut, pareil, et je vais repositionner de la colle sur le bas, mais avant, je vais venir en mettre ici. Vous voyez, j'en mets un petit peu sur tous les arcs de cercle. Et puis, un petit peu aussi sur le milieu. Alors, pas trop, hein. Et je finis de poser. Quand ce sera bien sec, eh bien, je viendrai mettre un point de colle ici tout du long et finir de fixer le bas. Je laisse bien sécher. Maintenant que cette dentelle-ci est bien fixée, eh bien, je vais pouvoir venir ajouter mes perles. Donc ici, vous voyez, juste au-dessus du petit festonnage. Je pourrais le faire à la colle chaude pour avoir une prise rapide, mais j'ai peur d'avoir des traces. Donc je remets une ligne de colle et tout simplement je vais les poser et nous allons attendre. Il faut attendre un petit peu parce que ça va demander 4-5 minutes à sécher. Donc je le laisse poser comme ceci, j'attends que ça prenne et nous couperons les bouts ensuite. Quand c'est bien collé et que ça ne bouge plus, c'est mon cas, eh bien, vous coupez l'excès tout simplement. Et puis, on va refaire la même chose, exactement la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc, vous reposez de la même manière la dentelle et ensuite les perles. Maintenant, pour la décoration du devant de la couverture, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock doré et puis je vais utiliser ce die, ce très très beau die. Et je vais prendre ces deux pièces-ci, on les pose sur le cardstock doré, donc les deux ensemble, et on passe ceci dans la machine. Vous allez obtenir cette très jolie découpe. Si vous avez le kit, parfait, elle est déjà réalisée. Et puis nous allons venir récupérer cette image-ci. Donc je vais juste couper autour. Donc il s'agit de l'image du papier 30-30. Et nous allons faire une découpe. Je vais poser ma découpe comme ceci. Vous voyez ici un ras du rose et ici comme ceci. Et je vais au crayon de bois faire le tour de ma découpe pour avoir la marque. Et je vais détourer avec les ciseaux. Vous allez vite comprendre pourquoi je veux garder les roses. Donc, je détourne environ 2 mm derrière mon trait. Donc, comme ceci. Et quand j'arrive au niveau des roses, je la récupère. Je ne coupe pas droit. Ensuite, je continue toujours 2 mm. Et je continue sur ma rose. Ensuite, je peux aller au bout. Ici, toujours 2 mm. Et quand j'arrive sur la rose, je la détourne.
une fois que j'ai la rose ici, je monte juste un petit peu et je détourne. Non, là je peux aller tout droit, donc toujours à 2 mm, mais tout droit. Quand j'arrive à la rose, attention, je la récupère. Donc vous avez compris le principe. Je continue de détourer. Donc quand j'arrive sur les roses, je prends la rose. Alors ici sur le haut, il n'y en a pas beaucoup. Ici, je la récupère aussi, 2 mm. Et ici, juste un tout petit bout de la rose et je termine. Je finis de détourer et je vous montre. Voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai gardé ici de ce côté la rose, ici, ici et ici, en laissant mes 2 mm. Aux endroits où il y a des roses, vous allez couper donc du début de la rose jusqu'au trait de crayon de bois pour faire comme une encoche, donc ici aussi, ici, ici, et ici on va laisser, et ici de ce côté. Et puis maintenant ma découpe va pouvoir passer en dessous, mais les roses je les garde au dessus, vous voyez. Donc je vais retourner, je vais mettre, alors vous pouvez prendre un papier brouillon, hein. Je vais mettre de la colle pour l'instant juste ici sur le dessus, un fin trait, et je vais commencer par coller le dessus de mon image. Donc il faut la passer derrière, mais faire ressortir ici les roses, comme ceci. Et il faut aussi que je récupère celle-ci. Voilà, donc là, le haut, c'est bon. Il est fixé, mes roses ressortent bien. Il me reste à coller la suite. Donc pareil, je vais venir mettre un fin trait de colle. Je lève, je mets un fin trait de colle sur le tour. Et je vais pouvoir poser le reste. Mais attention, j'ai cette fleur qui vient ressortir de ce côté. Donc je la fais bien ressortir et je peux tranquillement venir poser le reste. Vous voyez, j'obtiens ceci et mes roses ressortent. Donc je peux maintenant bien appliquer. C'est tout bon, voici ma jolie découpe. Et nous allons la poser bien sûr sur le dessus de notre album, mais je vais lui donner un petit peu de dimension. Je ne vais pas la coller directement. Et pour cela, je vais utiliser des bandes de mousse adhésive. Mais avant, avec la gomme, surtout, on enlève bien tous les traits de crayon qui seraient encore apparentes, pour que ce soit bien propre. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien je retourne et je vais prendre mes bandes de mousse. Donc vous voyez, c'est ça n'est pas très large, c'est assez fin, et je vais les couper à dimension. Donc ici, hop, donc c'est autocollant, hein. Je vais en poser une ici sur le bas, et puis le morceau qui reste ici. Et je vais en mettre sur le milieu. Donc je vais utiliser 3 bandes en tout. Ici je mets le petit bout, je ne le gaspille pas. Donc dans le kit vous les avez, ces 3 bandes, hein. Donc vous pourrez vous aussi rehausser ici, hop. Et une dernière ici. Je peux enlever la partie la petite partie qui permet d'avoir la partie collante
Et puis, nous allons pouvoir poser notre image sur le centre de notre couverture. Donc, vous voyez à peu près comme ceci. Ici, ça vient rejoindre le dessin. Puis, on laisse un petit peu ici. Mais je n'ai pas trop confiance à l'autocollant. C'est la couverture. Donc, je vais rajouter un trait de colle pour être sûr que ça ne se décollera pas. Donc, sur toutes les bandelettes. Un fin trait de colle et là c'est bon. Alors par contre pour l'instant ça bouge encore puisque la colle n'est pas sèche, donc je vais bien laisser sécher. Et regardez comme c'est beau. Nous allons tout de suite mettre la déco en haut de la découpe. Elle est vraiment très sympa cette petite déco. Donc hop, on retourne, je mets de la colle plus sur le tour. Parce que c'est un petit peu creux. Et tout simplement, nous venons la poser sur le haut, ici, de notre découpe. Et je laisse bien sécher. Nous allons maintenant nous occuper de la tranche de notre album. Et dans vos blocs 20-20, donc j'en ai deux, vous allez trouver cette étiquette ici sur la couverture. Donc, vous la détourez. Je l'ai vieilli un petit peu. Et donc, je vais détourer les deux. Une pour ma couverture, une pour ma tranche. Et je mets de côté pour l'instant. Ensuite, dans le cardstock doré, il va me falloir un morceau pour recouvrir ma tranche. Et ce morceau, il va arriver vraiment à ras de la pliure de la tranche. Donc, je vais bien mesurer ce dont j'ai besoin. Alors, faites-le aussi parce que ça peut être un petit peu différent de moi selon la cartonnette que vous avez utilisée. J'ai 8 cm et en hauteur, j'ai exactement 21. Donc, c'est bon. Donc, je vais couper dans mon cardstock doré un morceau de 8 par 21. Et avant de le coller, je vais le poser pour être sûr qu'il ne gêne pas l'ouverture de l'album à plat. Maintenant que c'est coupé, nous allons prendre notre morceau sans le coller et vérifier. Donc, en hauteur, c'est bon. En largeur aussi. Et vous voyez, j'ai vraiment un millimètre, très peu, mais suffisant pour l'articulation. Donc, je vais poser l'album à plat. Quand c'est posé à plat, vous voyez, ça n'abîme pas le papier. Et je vais pour coller ce morceau, utiliser l'adhésif. Donc, je prends mon adhésif de 1 demi-inch, pardon. Ça fait 1,25 cm. Je fais d'abord mon cadre. Je vais bien jusque dans les coins. Je vais être sûre que ce morceau ne bougera pas et sera bien fixé. Donc, j'utilise l'adhésif. Comme il est vraiment fort, au moins, je sécurise. Pas de danger que ça se décolle. Et je vais en mettre bien partout. Sur le tour et également sur le milieu. Donc je vais mettre allez, je mets 3 bandes. Je veux vraiment être sûr. Donc je termine et nous allons le coller. Pour coller et être sûr d'être parfaitement droit, eh bien, nous allons enlever juste. Alors, je vais quand même marquer mon adhésif avant. Donc, je marque bien tout ça. Et donc, nous allons enlever juste le haut ici. Et un petit peu le début aussi. Pour faciliter, une fois le haut collé, pour faciliter et pouvoir attraper les morceaux restants. Donc j'enlève juste le début et je vais poser le haut.
en faisant ça, si jamais il y a un problème, je peux encore un petit peu décoller. Donc, je me positionne sans coller. Et une fois que je suis bien sûre, c'est bon, je peux appuyer. Je relève mon cardstock et je finis d'enlever toutes mes bandes pour finir de le fixer. Et puis avec la main, eh bien, hop, vous laissez glisser encore un petit morceau ici. Vous laissez bien glisser doucement et vous finissez de coller votre morceau. Maintenant, pour poser sur mon cardstock doré, vous allez trouver cette feuille. Alors, pour vous, elle est pleine, hein. J'ai déjà coupé moi un morceau, mais vous avez la feuille entière, hein. C'est celle-ci du bloc 20-20. Je vais garder toute la hauteur. Je vais couper ici juste à ras de la bande beige. J'enlève ce morceau-ci déjà. Alors attention, hein, de bien couper droit et d'être bien positionné. Quand c'est bon, hop, on peut y aller. Donc j'enlève ceci, je ne le garde pas, c'est trop fin. Et puis maintenant, vous vous positionnez à 7 cm. Non, un petit peu plus. Vous voyez, il faut couper juste à ras ici du beige. Donc en centimètres, j'ai exactement 7,3. C'est bon, j'ai ma bande. Et puis, nous allons pouvoir l'ajouter au milieu. Vous voyez, nous allons avoir un joli tour doré sur notre tranche. Donc, je refais la même chose au niveau de l'adhésif. J'en mets bien partout et je viens centrer ce morceau sur la tranche. Et maintenant, il nous reste à décorer, surtout ici au niveau de ce très joli dessin dans le papier. Et je vais y poser cet embellishment. Je savais quand j'ai vu ceci que j'allais y mettre celui-ci, ça va très bien aller, mais je vais y ajouter un petit pompon doré. Donc déjà, je vais poser mon pompon, donc je le laisse descendre un tout petit peu, vous voyez, je ne le colle pas juste à ras, je laisse un petit peu de large et je vais le faire avec ma colle Hard Glitter. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé de faire à la glu et pour coller aussi les embellissements et ça c'est décollé. Donc je préfère utiliser cette colle. Au moins je suis sûre que ça ne se décollera pas. Alors bien sûr, vous laissez sécher un petit peu. Il y a un temps de séchage. Et une fois que le pompon est accroché et que c'est bien sec, alors je vais déjà enlever ici le surplus. Je vais mettre de la colle partout ici, plus sur l'extérieur. Et puis, nous allons pouvoir ajouter juste au milieu la déco. Alors, je termine. Je coupe avant. Je continue de bien poser ma colle. Là, vraiment, je suis sûre que ça ne se décollera pas. Et puis, je peux venir poser le tout sur ce joli dessin en centrant bien ma déco. Et puis, pour le bas, nous avions détouré cette étiquette. Alors, je l'ai posée sur un cardstock blanc. Pour le renforcer et vous détourez de nouveau juste à ras. On vieillit les bords et je vais donner un petit peu de souplesse à cette inscription. Pas trop, juste un petit peu arrondi. Et nous allons l'ajouter sur le bas, donc entre les deux bords. Mais je ne vais mettre de la colle que sur les deux côtés, nulle part ailleurs, pour donner justement un petit peu cet effet de dimension. Et pour le devant de la couverture, nous retrouvons la même chose sur le bas. Je vais laisser bien sécher le tout.
Maintenant, nous allons faire un petit peu de préparation. Alors, soit vous avez les, comme moi, la plaque de chipboard, et là, dans ce cas, pas besoin. Vous allez juste mettre de côté l'éventail et les deux plumes. Si vous n'avez pas les chipboard, eh bien, dans la page 30-30, vous allez trouver, donc, sur la dernière page, ces motifs. Je vais détourer les éventails, ici, parce qu'ils nous serviront, et les deux plumes. Mais je les mets de côté pour l'instant. Pourquoi? Parce que sur la couverture, il va y avoir également des roses que j'ai préparées, que j'ai commencé à préparer ici pour finir de décorer. Mais que ce soit l'éventail et les plumes ou les roses, nous le ferons à la fin, tout à la fin de l'album, parce que je ne voudrais pas abîmer la couverture quand nous allons coller les pages à l'intérieur. Donc tant que l'album n'est pas fini, je n'ajoute plus rien. Nous y reviendrons tout à la fin. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà préparer des jolies roses. Alors, pas trop grosses. Hein. J'ai pris des petites tailles. Je ne veux pas que ça fasse trop gros. Donc, j'ai préparé des petites roses dans des tons donc, qui s'accordent avec le papier, hein, bien sûr. Donc, je les ai réalisées avec les dies tampons classique rose de chez Airfail Creation, et vous avez le tuto sur ma chaîne. Je vais vous le remettre en barre de cette vidéo si vous voulez, comme moi, aller les préparer. Ça vous avancera. Et puis, je mets mes découpes de côté et nous ferons l'assemblage tout à la fin. Donc, pour l'instant, ce tutoriel est terminé. La suite, nous commencerons bien sûr l'intérieur des pages. J'espère que cette couverture vous plaît déjà. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura juste une petite chose à rajouter ici à l'arrière, mais nous le ferons tout à la fin aussi. Donc, je vous souhaite de très belles réalisations de couverture. Je vous fais plein de scrap bisous. À très vite pour la suite. Ciao, ciao.